Alors, je suis allée à l'école jusqu'à 15 ans. Je me suis aperçue au bout d'un moment, avec la scolarité de mes enfants, que bah, je ne savais plus rien du peu que j'avais appris à l'école. Je ne savais plus trop lire et encore moins écrire. Au travail, je n'avais pas de problème à l'époque parce que c'était surtout un travail manuel où il n'y avait pas besoin de savoir écrire. Ensuite, on a toujours des petites choses pour empêcher que ça se voit. On n'a pas de stylo, on n'a pas de lunettes parce qu'on ne voit pas clair, on demande aux autres de le faire parce qu'on n'est pas équipé. On a toujours des petites façons de faire pour que les gens ne voient pas notre difficulté et que, par contre, eux prennent la relève automatiquement. Et ça l'a très bien fait. L'ordinateur au travail, en fait, ça fait longtemps que je le côtoie. Quand je travaillais en restauration avec les fiches malades, mais c'était des logiciels tout prêts, donc il fallait apprendre où cliquer, à quelle heure, comment, nanana. Et une fois que tout était au carré, bah voilà, c'était pas dur. Et ensuite, on est arrivé à la tablette, et bah là, c'était un logiciel aussi tout prêt, mais là, c'était un peu plus compliqué parce que sur la même tablette, on pouvait faire les bons travaux, les commandes. Et puis ensuite, j'en ai eu besoin pour faire ma VAE. Et là, pour faire ma VAE, là, il fallait connaître Word, Excel. Et là, c'est compliqué pour moi parce que je ne connaissais pas du tout. Pour moi, le plus dur pour répondre à une offre, c'est de ne pas pouvoir servir de l'ordinateur pour envoyer les demandes d'offres. Je ne savais pas trop comment utiliser et j'ai eu peur de faire des erreurs, en fait. Non, je n'allais pas sur mon espace Pôle emploi car je ne savais pas du tout y aller. Et c'était pour moi trop compliqué. L'informatique, c'était carrément quelque chose que j'ai jamais voulu en entendre parler. Pour moi, jusqu'ici, j'ai fait 100, je voulais continuer à faire 100. J'étais vraiment pas intéressé du tout. Le peu de doigts que je mettais dessus, ça me prenait la tête, on va dire comme ça. Parce qu'il y a plein de touches sur ce clavier et chaque touche a une correspondance, on va dire. Alors l'ordinateur, je ne l'ai pas considéré comme un ennemi, mais plutôt comme une bête à dompter. Alors à ce moment-là, j'étais en mode conquérant, je voulais gagner, je voulais réussir, pas seulement pour mon travail, mais pour moi. Effectivement, j'ai appris à mettre en page un CV, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Au départ, je ne pensais vraiment pas du tout y arriver. Aujourd'hui, je n'hésite plus à faire des recherches aussi bien sur Internet que des lettres, que des CV. C'est le but de ma formation, c'est de pouvoir par la suite me débrouiller toute seule sur mon ordinateur et faire mes démarches toute seule. C'est plus facile pour moi de taper sur l'ordinateur que d'écrire. J'arrive maintenant à aller sur l'espace personnel et puis j'arrive à rentrer et à regarder les offres d'emploi facilement. Alors oui, ça me donne plus confiance en moi parce que voilà, je me débrouille tout seul, au pire, si j'ai un problème, je demande. Mais à part ça, logiquement, tout va bien. Et franchement, je suis fière, je ne pensais jamais y arriver. Moi, j'aime bien cuisiner, alors je vais beaucoup sur des sites de cuisine. Et puis après, j'aime bien la nature, donc je me documente sur l'Ardèche, des choses comme ça, vous voyez. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'Internet, on a tout. Donc, n'importe quel document, il est là. Il suffit d'aller chercher. Voilà. Eh bien, la bête, je l'ai bien domptée quand même. Je m'en sors bien. Et j'arrive à faire ce que je veux. Je ne suis pas très rapide, mais j'ai mon temps. Et puis ça va, on est bien, lui et moi. Je pourrais plus m'en passer.